un reportage autour de la vie à Tati. Je suis Étienne, directeur du Centre culturel Jacques Tati. Je suis à Tati depuis 8 ans. L'objectif, c'est de gérer cette maison, hein, donc le centre culturel avec son théâtre, et de proposer des actions, des projets culturels, artistiques. Chacun peut venir faire une activité toute l'année, toutes les semaines, ici. Si on veut apprendre la batterie, ben on peut prendre un cours de batterie toutes les semaines, si on peut faire le théâtre, etc. Et on a aussi un club de judo. Donc là, avec une pratique artistique décalée et donc plus sportive, mais on parle des arts martiaux, hein, donc ça fait partie pour nous d'un ensemble. Et puis après, il y a tout au-dessus de ce bâtiment, il y a un théâtre de 200 places, et où là, on accueille des artistes toute l'année pour qu'ils puissent préparer, répéter, créer leur spectacle, mais aussi pour qu'ils puissent montrer leur spectacle au public. Et donc, on a 15 à 20 spectacles tous les ans qui sont proposés au public pour une soixantaine de représentations publiques. Là, des spectacles pour les enfants, des spectacles pour les adultes, des spectacles pour les jeunes. Et puis, on a un troisième grand volet d'activité qui est ce qu'on appelle l'action culturelle, l'animation culturelle, ici et dans le quartier, qui permet de faire le lien entre les spectacles, entre les activités, pour faire découvrir l'art et la culture au plus grand nombre. Et ça passe aussi par des spectacles que l'on organise dans la rue, sur la place de la mairie, dans le quartier. Et on a aussi quelques petites expositions. On peut proposer à des artistes de présenter leur travail. On permet aussi à des enfants, des ateliers ou des écoles et des collèges de venir présenter leur travail. On a plein d'idées, plein d'envies. L'année prochaine, on va surtout accueillir la compagnie du Berger en résidence, qui va nous proposer plusieurs spectacles pendant l'année. Puis on va créer un spectacle qui s'appelle La Noce de Bertolt Brecht, qui nous parle de mariage et qui nous parle des années 30 en Allemagne, le début du nazisme. Il y a plein d'autres spectacles, et surtout on a beaucoup de spectacles jeune public, et puis on veut continuer surtout à investir le quartier et la rue, et on a envie de réfléchir. Donc l'année prochaine, ça va être le début de la réflexion sur ce qu'on pourrait faire autour de l'histoire du quartier, la mémoire du quartier. Donc on a envie de réfléchir à tout ça. Donc là, l'appel est lancé. Ceux qui veulent, vous pouvez nous rejoindre pour réfléchir. On a différents champs d'activité. On a déjà ici dans toutes les salles des propositions d'ateliers, théâtre, musique, art textile, art plastique, bande dessinée, dessin, peinture. Enfin, on a un certain nombre d'activités proposées aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Maintenant, nous vous amenons à travers les différents ateliers. Oui, tout à fait. Je m'appelle Leslie Dumortier et voilà, je suis illustratrice, pardon, et auteure de bande dessinée. J'anime l'atelier bande dessinée au Centre culturel Jacques Tati. Alors, mon atelier, je pense qu'il permet aux enfants d'être créatifs, de s'inventer des histoires qu'ils peuvent mettre en page, colorier, utiliser différentes techniques. Je m'appelle Bertrand Sachy et je suis l'intervenant dans les ateliers art textile au Centre culturel Jacques Tati. Je pense d'acquérir des compétences techniques en couture, apprendre à coudre, à broder, à la main, à la machine. Et puis travailler en groupe, avoir un grand espace de travail, et puis les conseils que moi je peux donner. Quand on travaille en groupe, bah, on voit un peu ce que font les autres, on échange. Donc je m'appelle Jérôme Martel et je suis intervenant au sein du centre Jacques Tati. J'anime plusieurs ateliers, d'abord les ateliers d'éveil musical et l'atelier de la classe de trompette aussi. Déjà, c'est un moment où je me retrouve avec les enfants, surtout des tout petits. Cette année, j'ai des 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fait, on fait beaucoup de chants, de petites danses, de jeux musicaux. Voilà, je rapporte en fait tout ce qui a un rapport avec la musique. Colimaçon, entre dans sa maison, tout en colimaçon. Tout le monde.
cette semaine, j'anime des ateliers sur la peinture à la gouache et on fait aussi un petit peu d'aquarelle pour le moment. Cet atelier permet aux enfants de s'exprimer, enfin d'essayer toutes les couleurs et puis d'essayer aussi des nouveaux formats. Donc, parce que là, ils vont travailler sur des chevalets, donc c'est une autre manière de travailler pour eux. Et puis des outils aussi, on a des éponges, des rouleaux. Voilà, on essaie d'expérimenter un petit peu des nouvelles choses. Je m'appelle Nicolas et je suis animateur au Centre Jacques Tati. J'anime l'atelier Web TV. L'atelier permet d'apporter aux enfants une connaissance sur les métiers de l'audiovisuel. Et c'est une théorie, une pratique qu'ils ne connaissent pas forcément, alors qu'ils y sont tout le temps confrontés, que ce soit sur Internet, à la télévision, au cinéma. Et ça leur permet du coup de comprendre et de mieux saisir ce qu'ils voient tout le temps. Merci d'avoir regardé ce reportage. Au nom de l'équipe de la Web TV, nous vous souhaitons de très bonnes vacances. À bientôt pour des nouveaux JT.